Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors on est parti ce week-end en bivouac. Ça s'est décidé un petit peu à la dernière minute. C'était pas vraiment prévu. On est à 15 jours des grandes vacances entre guillemets. C'était l'occasion de tester un petit peu le comportement du véhicule et puis les nouveaux accessoires, notamment les suspensions qu'on a changées. Donc tu vas le voir dans cette vidéo, on est parti. Alors on n'est pas au complet, il nous manque notre fils qui lui est parti faire un road trip avec sa tante, faire la Loire à vélo. Par contre on n'est pas parti seul, on est parti avec deux couples d'amis. Il y a mon pote Sam avec son HDJ100 que tu as pu voir dans la vidéo précédente où je l'ai bien tiré fort dans la boue parce qu'il était tanké. Et on est parti aussi avec un voisin que tu as déjà vu dans la vidéo du Dams Tour avec Bjorn, The Defender, que tu peux retrouver aussi sur Instagram. Donc un petit week-end tranquille, un week-end répétition on va dire, avant les vacances. Donc on va voir ce que ça donne, on va voir le comportement du Ranger avec les nouvelles suspensions, si ça change la vie ou pas. Bon, ce qui est sûr c'est que pour accéder au frigo, c'est un peu compliqué, c'est un peu haut. Mais bon, c'est comme ça. La petite planche à saucisson. Ah. Et petit marchepied. T'es comme ça, t'as pas de problème pour accéder au frigo quoi. Ouais. Ouais. Bah, non, là, ça va, là. Ouais, t'as une belle vision, là. Ouais, c'est clair. Ouais, j'avoue que, ouais. Je suis un peu jaloux. Moi, j'arrive pas à voir le fond de mon frigo. Donc, bon. Parce que, bon, nous, le frigo, ouais, là, et encore, on est. C'est un peu limite, quoi. Du beurre, il aurait fallu mettre sur la tenue. On en a, je crois, du beurre. Ouais. Non, c'est que l'huile d'olive, ça donne un goût, je trouve. Ouais. Ou des vacances. C'est l'huile d'olive. Je prends peut-être du papier pour la laisser. Et tu veux pas le faire? Et le bavois pour essuyer l'huile d'olive. Tu veux pas le faire sinon? Mais le au mieux de donner des conseils à tout le monde, fais au mieux de donner des conseils là. Ça y est, on attaque. Non, d'ailleurs, on n'attaque rien du tout. Le petit déj est prêt. On a replié. Le petit déj est prêt. Non, le petit déj est fini. Oui. Ouais, on est prêt. Le petit déj est. Ouais, on a forcément. Oh là 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 là, ça commence comme ça. La journée, ça va être long. Donc, on s'est réveillé avec la pluie. Voilà, c'était sympa. Enfin, on est presque au mois d'août et le temps est catastrophique. On crevait sous la pluie, du coup on allait au vent, donc là c'est vrai que c'était quand même pratique de l'avoir. Et puis bah là, direction le début des pistes. On a une bonne demi-heure de route avant de commencer le roadbook. Et puis bah on va voir ce que ça donne. Bon, bah, c'est l'heure de la pause casse-croûte pour la petite. Ça va être des petits pois et une couche propre. Bon, ça y est, la petite elle a fini sa pause repas. Tout le monde a fait le plein de gasoil, enfin surtout. Je lui ai dit de l'autre côté, et il m'a pas écouté. Alors, le copilote n'est pas si pourri que ça, le pilote, on demande. Ça y est, on a fait 20 mètres et on n'est déjà pas dans le bon sens.
C'est parti pour le roadbook. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'on est. Je sais même pas ce que c'est comme roadbook. On suit. Voilà, ce qui est cool, c'est qu'on va vraiment pouvoir se rendre compte de la différence des suspensions. Entre des suspensions d'origine qui avaient 160 000 km et des suspensions toutes neuves, rehaussées, renforcées. On va voir si ça change. Bon, on se doute bien que ça va changer quelque chose, mais voir si la différence est vraiment notable. Là. Le début des pistes, là, on ne sent pas de trou. Enfin, on sent pas, ouais, avant ça s'enfonçait de l'arrière, ça rebondissait. Et là, au bout de quelques mètres, enfin ouais, tu sens quand même une différence. Même dans les dodanes. Quand on prend des dodanes, avant, t'avais vraiment tout le cul, toute la benne qui s'enfonçait. Et tu étais obligé de les prendre vraiment à deux à l'heure. Et là, ça amortit bien, quoi, c'est cool. On lui a mis une panne. Ouais, par contre, ce matin, avant de partir, il y avait à côté du spot où on a dormi, il y avait un truc agricole là où ils peuvent venir peser les véhicules. Et donc, on s'est tous mis, chacun notre tour, peser nos véhicules. Le Ranger, il fait 3 tonnes 180 kilos. Donc, 3 tonnes 180 kilos. Le Defender, 2 tonnes 700. Et le Toyota HDJ 100, 3 tonnes 6. 3 tonnes 6. Alors, c'est celui qui est en surpoids. Voilà. Bon, en tout cas, pour l'instant, les premières petites pistes comme ça, la sensation est bonne. Avec les nouvelles suspensions, c'est cool. C'est la pause casse-route. On s'est trouvé un petit champ. Comment ? C'est-à-dire ? Bah, en fait, ta fille, elle a commencé à nettoyer les sièges. Ah ! Effectivement, ma poupie, c'est poussiéreux, hein, le 4x4. Hein. Il va falloir qu'on trouve une. Bon, tu sais, quand on a fait le dame tour, c'était pire. Hein. Oh. Et tu sais que le bavoir aussi, il est marron ? Il a interdit de causer, là ? Mais j'ai un compresseur et j'ai une soufflette. Donc, on va pouvoir compresser et souffler. Effectivement, il y a un peu de poussière. Il y en a qu'un qui est propre, hein, c'est celui de devant. Ouais, et nous, la petite, elle est recouverte de poussière et tout. Nous, on s'est dit au final, d'être devant, c'est plutôt pas mal. Devant, c'est pas mal. Par contre, il faut avoir confiance à la personne qui est devant, quoi. Et franchement, pour le roadbook, c'est. Je suis pas sûr, moi. Alors ça, si c'est pas la classe,
Par contre, bien penser à garder le moteur allumé, hein, parce que quand j'ai fait les premiers tests, moteur éteint, ça m'a vidé la batterie en 3 minutes, quoi. Mais bon, ça c'est quand tu réfléchis pas, quoi. Agnès ? T'es con ? Je sais. Dans le véhicule, il règne un silence de mort, quoi. Enfin, je veux dire, elle est sérieuse, elle parle pas, elle est concentrée sur son pilotage. Elle pique du nez, ouais, c'est vachement rassurant, en fait. En fait, c'est pas que tu t'es, ouais, que t'es concentré, c'est que tu t'endors, quoi. C'est vraiment, c'est très rassurant comme style de pilotage, c'est sûr. Et oui, mais j'aurais pas dû changer les suspensions, tu vois. Ouais, en plus, tu te mets à bailler comme ça, ouais, ça arrive, ouais. J'aurais, quand on a regardé celle d'origine, ça aurait tellement été secoué que tu pourrais pas t'endormir. Maintenant, c'est trop souple. Agréable. Petite mise au point sur le roadbook. D'habitude, c'est moi qui gère pas, voilà et tout. Et là, la copilote, et ben, elle s'est endormie. Donc, ça fait 3-4 cases en fait qu'elle me dit pas qu'il fallait tourner à droite ou à gauche. Donc, voilà. Bravo. Ouais, ouais. Et après, on met toujours la faute sur le même. Donc, voilà, madame s'endort et elle lit pas les cases. Super. Du coup, on a dû faire demi-tour parce qu'on était toujours pas sur la bonne case. Donc, du coup, ben, on recroise les copains. Voilà. Il est 19h passé et on est à la recherche d'un spot bivouac. Et pour l'instant, bah, on n'a rien trouvé de folichon. On n'a même rien trouvé de tout court. Même. Donc, pour l'instant, là, la petite a fait sa sieste. Le chien aussi. Ma mère aussi, elle l'a fait. Et on aimerait bien se poser là. Fin de journée, il est quasiment 20h. On s'est posé, on s'est trouvé un petit spot en bordure de forêt. On a réussi à se caler difficilement parce que le terrain est un peu en pente. Alors j'ai sorti mes nouvelles cales pour se caler, mais alors là c'est encore plus compliqué. Le frigo il est tellement haut que j'étais obligé d'emprunter un tabouret pour monter sur la ridelle. On vient de prendre les petites douches, on vient de commencer l'apéro tranquille. C'est encore une petite soirée au calme. On va se faire des petits burgers logiquement, je crois. Et puis demain matin tranquille, on redécolle, on poursuit un peu le roadbook. Et puis après il sera le temps de rentrer. Donc, pour ce qui est par contre du frigo, on s'était dit, bon, on partira comme ça cet été, c'est pas grave, on prendra un marchepied et tout. Et puis en fait, dès le premier soir, on s'est dit, c'est trop galère. Donc, du coup, on a commandé un plateau basculant. Donc, on recevra ça la semaine prochaine. On a hâte d'installer ça parce que c'est vraiment pas pratique, quoi.
Après une bonne journée sur les pistes poussiéreuses, nous commençons la soirée par une bonne douche. Et d'ailleurs, ce fut la première fois en bivouac pour notre petite Léna. La suite, tu la connais. Apéro, burger, discussion en tout genre. Et surprise, après quelques verres, nous faisons la connaissance de Sam, l'homme qui murmurait à l'oreille des chiens. Bon, après une bonne nuit de sommeil, il est temps de se remettre sur les pistes. La pause déjeuner marquera pour nous la fin du week-end. Il est temps de rentrer chez nous et de récupérer notre fils. Ce petit week-end nous aura permis de tester nos accessoires et de corriger notre aménagement avant notre départ pour 3 semaines de road trip. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à laisser un petit commentaire. Je te dis à bientôt dans de nouveaux épisodes. Salut !